Les amis, normalement ça bug moins. Donc salut tout le monde, aujourd'hui c'est le gars du Grand et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Undertale. La dernière fois on avait appuyé sur le bouton de Metatron et on avait vu ça. Voilà, je sais pas trop ce que je fous. Bref, je vais vous traduire tout ça. Oh ciel. Si tu as appuyé sur ce bouton, ça ne peut signifier qu'une seule chose. Tu meurs d'envie de voir mon nouveau corps en avant-première. Quelle toupée. Une chance pour toi. Je mourrais d'envie de le montrer. Alors, pour te remercier, je veux te faire une fleur. Je vais rendre tes derniers instants absolument fabuleux. Voilà. Et je vais pas prendre trop de temps. Parce que pour l'épargner, il faut poser. Tiens, vas-y. Voilà le véritable visage de Metatron. Bref, pour l'épargner, maintenant je peux vous dire. Voilà, je parle plus, je sais pas pourquoi. Bref, pour l'épargner, il faut que son audimat, ce qui est le truc à gauche, il arrive à 10 000. Il faut pas prendre trop de temps non plus parce qu'il descend. Donc je prends une pause dramatique. L'audience augmente. Vas-y, crève la jambe. Ouh là là, je suis passé. Ça va. Je me suis bien fait niquer quand même. Bref, on va boss. Je crois que c'est jouer le méchant ça, je suis pas sûr. Dueling Metatron. L'audience augmente graduellement pendant le tour de Metatron. Connasse. Ou connard, je sais pas. Allez, boss encore. Vas-y, je peux esquiver toutes tes attaques, Metatron. C'est moi qui le dis. Toutes tes attaques, je les esquiverai. Non, ok. Je sais ce que je vais faire. Je vais manger de la quiche. Tu prends un bout de quiche. Tu récupères 38 PV. Fais un sourire à la caméra. Et non. Ouais. C'est là que j'aurais dû jouer le méchant. Comme ça, j'aurais gagné plein de dimat. Tu prétends pouvoir esquiver toutes tes attaques de Metatron. L'audience augmente graduellement pendant ton tour. Oh, c'est l'heure du cul d'écrit. As-tu un clavier sur la main? Oui. Alors, vas-y. Fais des trucs. Z et... amazing. Je peux pas amazing. Il y a un Z dedans. Amazing. Merveilleux. C'est super. Bref. Donc Metatron, on va encore prétendre pouvoir esquiver toutes ses attaques, même si ça va, si ce n'est pas du tout le cas. L'audience augmente graduellement, ouais. Tu crois vraiment Oh non, pas ça. Non, bon bah non, j'ai tout perdu, voilà. Ouais. Voilà, Metatron X, on va faire la pause. Tiens, plus 100, c'est tout. Pause dramatique. Ok, j'ai fait une pause dramatique. Oh, on les a tous tués, mais du Satan. Bref, acte. Elle tourne, jouer le méchant. Tu joues le méchant. L'audience mise tous sur ta destruction. Attention, c'est quoi ça? Ah ok, j'avais pas compris. Je n'avais pas compris, c'est bon les amis. Bref, on va prétendre esquiver toutes ces attaques encore. Et ouais, je sais, on fait que ça. Et alors? Oh, ça va en vrai, ça. Quand on a compris, ça va. Non, mais j'ai tiré. Oh putain, j'ai chaud. Il avait bugué le truc. Il m'avait pas fait tirer. Enfin, si, il m'a fait tirer, mais en retard. Il faut que je me dépêche, j'ai pas l'audience, donc pause. Tiens. Ah, plus de 150, une pause dramatique. Hop là.
Hop là, on fait exploser toutes les bombes. Ah, c'est tout. Bah, acte, je peux esquiver toutes tes attaques, Metaton. C'est moi qui te le dis. Oui, je sais. Ouais, j'ai tout esquivé. Qu'est-ce que tu vas faire? On est bientôt à 6000. C'est tout? Ouais, plus 150, pause dramatique. Ouais, go, 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 go. C'est l'heure de la pause syndicale. Joyeuse pause. Vas-y, on va jouer le méchant. Voilà, bref. Enfin, non, on va faire. On va dire qu'on peut esquiver toutes ses attaques. Hein. Je comprends pas ce que tu dis, darling. Mais viens là, petite âme de merde. Oh, j'esquive. Oh, punaise. On a bien fait augmenter l'audience, là. Oh, c'est bien parce que ça dure longtemps. On va encore prétendre pouvoir esquiver toutes ces attaques. Et ouais, on fait que ça, les amis. Qu'est-ce que vous allez faire? De toute façon, on va l'épargner. Des bras? Qui a besoin de bras avec des jambes comme ça? Merde, pourquoi j'ai tiré sur la bombe? Voilà, bah c'est bien, je reste cela. Allez, retour en arrière. Ah merde, j'ai perdu son audience. Metaton, faire croire qu'on peut esquiver toutes ces attaques. Allez, go, 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 go. Ouais, tu me l'as déjà dit. Ouais, là, 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 là. Hop là, j'ai tout esquivé. C'est trop fort. Merde, je check. Bon, c'est pas grave. Son cœur et son point faible. Oh putain. Oh putain, c'est quoi cette attaque? C'était quoi cette attaque? Je ne pouvais point survivre à ça. Tiens, je vais bouffer un bout. Je vais prendre de la glace, tiens. Oh, ça me remonte pas beaucoup de PV, mais c'est déjà ça. Hein. Hop là, je lui dis nique ta mère, il y avait un gros trou. non, je vais pas manger. Je vais faire... Je prétends que je peux esquiver toutes ces attaques encore. Allez, oui, tu l'as déjà dit. L'audience augmente graduellement quand je dis ça. Oh, ça va, ça va. Elle est facile, cette attaque. Donc, elle va bien augmenter l'audience. Non, merde, le con. Oh, l'enculé. Oh, l'enculé. Oh, l'enculé. oh, ça va, on est bientôt, les amis. On va bientôt pouvoir l'épargner. Pause. Tu fais une pause dramatique. Je comprends pas ce que tu dis. Ouais. Oh, il va sortir son cœur là, putain. Hop là. Putain, c'est une attaque qui dure longtemps, ça. J'aurais dû dire que je pouvais esquiver toutes ces attaques. Même si c'est absolument pas vrai. Hop là. Hop là, t'as plus de jambes. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Putain, merde, j'ai mangé à terre. Merde, j'ai bouffé à terre sans faire exprès. Putain. Bon, ben... C'est pas grave, c'est pas la mort. Hein, on va dire que c'est pas bien grave. Hein. C'est juste un truc qui nous a donné toute notre vie. Ok, l'attaque du cœur tueur. Mais crève, putain, enculé de cœur. T'es en train de me niquer. Allez, viens là, connard de cœur. Voilà. Metaton, je peux esquiver toutes tes attaques, mais tâtons. Ce sont mes tétons. Cette blague était pour... Putain, mais non, je savais pas. J'avais pas vu que c'était ça, là. Du coup, j'ai perdu l'attaque. Voilà. Du coup, le public, il a pas augmenté graduellement. Parce que je me suis fait toucher. Et quand je fais toucher, qu'on dit qu'on peut esquiver toutes ces attaques, et ben, le public, il arrête d'augmenter, voilà. Ah, ça bug, putain. Arrête de me toucher, connard de robot de merde. Ça bug trop, pourquoi ça bug autant? Bordel, je croyais que ça allait moins bugger maintenant, mais non, même pas. Bon, ça bug déjà moins, les amis, on va pas se plaindre, hein. On va pas se plaindre. Allez, voilà, j'ai mis sur pause 30 petites secondes. Attends, ça fait augmenter le public quand on attaque Metaton ou pas?
Action 600. Ah bah ouais, j'ai gagné. Ça fait augmenter le public de 600, j'aurais dû attaquer plus souvent. Bref. Où elles sont ces putains de trucs? Oh, regardez-moi cette audience. Je n'ai jamais eu autant de spectateurs. Je crois que l'on va pouvoir lancer le bonus appel. Une personne va avoir la chance de me parler en live. Avant que je ne quitte l'autre monde pour de bon. Voyons, qu'allons-nous avoir au bout du fil en premier? Coucou, vous êtes en direct. Un petit message pour notre dernière émission? Oh, oh. Salut, Metaton. J'ai adoré regarder ton émission. Ma vie est plutôt nulle, mais... Bah, en même temps, tu vas me dire, c'est un peu normal, tu t'amuses à faire des chapeaux avec tes larmes, donc c'est logique. Oui, c'est Napstablook qui parle, et alors? Ton émission de télé a apporté beaucoup dans ma vie. Beaucoup de bonheur dans ma vie. Par procuration. Je peux me tromper, mais j'imagine que c'est le dernier épisode. Tu vas me manquer, Metaton. Oh, je pensais pas parler aussi longtemps. Oh. Non, attends. Prenons un autre appel. Je sais, prenons un autre appel. Metaton, non, s'il te plaît, ne pars pas. Tu me rends tellement heureuse. Metaton, non, je sais pas quoi regarder sans ton show. Metaton, tu laisses un méta vide dans mon méta cœur. Voilà. Putain, sont où ces connasses? Ah, je vois. Merci infiniment. On a déjà tant de stars et d'idoles. Putain, vous tous. Trésor, il vaut mieux que je reste encore un peu ici. Les humains ont déjà tant de stars et d'idoles. Mais les monstres n'ont que moi. Si je partais, l'autre monde perdrait de son éclat. Mon départ laisserait un vide impossible à combler. Alors, je crois que je vais devoir remettre ça plus tard. Je crois que je vais devoir mettre ça plus tard. Tu as fait preuve d'une grande force en me combattant. Je suis sûr que tu pourras survivre à Asgore. Voilà, en gros, c'est ce qu'elle dit. C'est pour ça que maintenant, je vais le mettre sur pause. Ce nouveau corps use beaucoup beaucoup de mes batteries. Je vais pas tarder à m'éteindre. Dans un tout petit moment, je vais m'éteindre. Je mets sur pause comme ça, ça bug grandement. Voilà. Bref, vous avez rien compris à ce que j'ai dit, mais ce n'est pas grave. Hein, les amis? Voilà. Maintenant, il y a mes tâtons en cours de batterie. C'est bon, j'ai réussi à ouvrir la porte. Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon dieu! Metaton! Metaton, ça va? Tu es... Ah! Oh dieu, merci. C'est juste ces batteries. Metaton, c'est... pas de problème, de toute façon, si tu aurais été détruit, j'aurais juste à construire un autre robot. Ouais. Ta gueule. On va pas comprendre toi. Tu vas comprendre moi, non. Changement de traduction. Je suis désolé. Continuons à avancer. Tu me suis comme une psychopathe. Qu'est-ce que tu fous? Ok, Dak. Alors, tu as bientôt rencontré Asgore, pas vrai? Tout ça doit vraiment t'emballer, hein? Tu pourras enfin rentrer chez toi. C'est ça, casse-toi. Ah, attends. J'allais juste te dire au revoir et... Non, j'en peux plus. Super. Je t'ai menti.
Une âme humaine n'est pas assez forte pour traverser la barrière. Il faudrait au moins une âme humaine et une âme de monstre. Si tu veux rentrer chez toi, tu vas devoir prendre son âme. Tu vas devoir tuer Asgore. Je suis désolé. Ok. Montons dans ce long ascenseur. Vous savez le bruit que vous entendez en arrière-plan? C'est carrément une musique, hein. C'est l'OST 70 ou 60 et 72 ou 72, un truc dans le genre entre 70 et 72. Mais c'est un OST. Il s'appelle Long Elevator. Quand j'ai un casque et qu'il arrive, mes oreilles elles meurent. Voilà, bref. Voilà. La fin. Nous sommes bientôt arrivés, les amis. Je vais pas sauvegarder parce que ça sert absolument à rien. Puisqu'il n'y a plus de combat. Voilà. L'ascenseur a été fermé. Hein. C'est comme on vient de voir. C'est beau derrière. Nous avançons. Nous avançons vers l'infini et au-delà. Nous avançons quelque part. Je ne sais où, mais nous avançons. Allez, plus vite, putain. Voici la meilleure musique du jeu. C'est pour cela que je me dois absolument d'augmenter le volume. Voilà. Les amis, nous allons sauvegarder ici. Nouvelle maison. Là, il faut aller chercher deux clés pour pouvoir déverrouiller le cadenas. Je vais pas faire beaucoup de commentaires dans cette partie. Mais écoute, même remettez ce passage au moins deux fois. Si vous n'avez pas compris. Enfin, mais remettez. Oh putain, j'ai plus de batterie, me fait chier. Ma musique, la meilleure musique du jeu. Tu gâches ma meilleure musique du jeu. Ma musique préférée, putain, enculé. Je veux absolument que vous compreniez ce qui va se passer maintenant. Donc, allez écouter, écouter une deuxième fois le truc ou aller regarder une animation sur internet. Je m'en fiche, mais j'ai absolument envie que vous compreniez. Oui, je vous donne des ordres. Et alors, ça vous dérange? C'est parti. Il y a très longtemps, un humain tomba dans les ruines. Blessé par sa chute, l'humain appela à l'aide. Prendre la clé. Vous prenez la clé et la mettez au porte-clés de votre téléphone. Azriel, le fils du roi, entendit son appel. Et ramena l'humain jusqu'au château. Oui, je sais, ça ressemble beaucoup à chez Toriel. Au fil du temps, Azriel et l'humain devinrent très proches. Le roi et la reine considéraient l'humain comme leur propre enfant. L'autre monde était rempli d'espoir. Vous prenez la clé et l'attachez au porte-monnaie de votre téléphone, n'importe quoi. Au porte-clés de votre téléphone. Pourquoi je marche dans les fauteuils? Dites-moi les amis, hein. Quel est mon problème de marcher dans un putain de fauteuil? C'est fermé. Vous ouvrez la chaîne, je veux dire. Bref. Puis, un jour, l'humain tomba gravement malade. Affaibli, l'humain ne désirait plus qu'une seule chose.
revoir les fleurs de son village. Mais nous ne pouvions rien faire. Le jour suivant, l'humain mourut. C'est très bien. Il y a l'humain qui est mort. Le jour suivant, oui, et là, l'humain mourut. Bon, bref. Azriel, anéanti par le chagrin, absorba l'âme de l'humain. Et se transforma en un être doté d'incroyables pouvoirs. Avec l'âme de l'humain, Azriel traversa la barrière et porta le corps du défunt à la lumière du soleil, jusqu'au village des humains. Azriel atteignit le centre du village. Là-bas, il trouva un lit de fleurs dorées et déposa le corps de l'humain. Tout à coup, des hurlements retentirent. Les villageois avaient vu Azriel portant le corps de l'humain, croyant qu'il avait tué ce dernier, croyant qu'il avait tué l'enfant. Je suis perdu, merde. Les humains l'attaquèrent de toutes leurs forces. Azriel fut assailli de coups. Il avait pourtant le pouvoir de tout éradiquer. Mais Azriel encaissa chaque coup sans riposter, tout en serrant l'humain contre lui. Azriel sourit et se retira. Gravement blessé, Azriel finit par rentrer. Arrivé au château, il s'effondra. Sa poussière se dispersa dans le jardin. Le royaume sombra dans le désespoir. Leur majesté avait perdu deux enfants en une nuit. Les humains leur avaient de nouveau pris tout ce qu'il leur restait. Le roi déclara alors que ce serait la fin de notre souffrance. Désormais, chaque humain qui tombera ici trépassera. Avec suffisamment d'âmes, nous pourrions briser la barrière. Nous y sommes presque. Ça ne te fait pas sourire, toi ? Ça ne te fait pas sourire, toi ? Oui, non, c'est là. Tu ne trouves pas ça génial ? Ça ne t'emplit pas de joie ? Tu vas bientôt être libre. Je me tire. Voilà. Le dernier couloir. Change de traduction. C'est la fin du monde, les amis. Nous allons tous mourir. Bon, bref, j'en étais à où moi? Ah oui.
Ainsi, tu as pu parvenir jusqu'ici. La fin de ton aventure est proche à présent. Dans quelques instants, tu vas rencontrer le roi. Ensemble, vos choix détermineront le sort de ce monde. Mais pour l'heure, toi, tu vas maintenant faire face à ton jugement. Toutes les actions que tu as entreprises jusqu'ici seront jugées. Il en va de même pour tous les points d'XP que tu auras alors gagnés. Que signifie XP? Il s'agit d'un acronyme. Cela signifie exécution. Cela signifie exécution point. Les points d'exécution. Putain, j'ai perdu où j'en étais. Ces derniers quantifient la souffrance que tu as infligée aux autres. Lorsque tu tues, ton XP augmente. Lorsque tu en as suffisamment, c'est ton love qui augmente. Love est également un acronyme. Cela signifie level of violence, ton niveau d'agression. Ce dernier reflète ta capacité à infliger la souffrance. Plus tu tues, plus il t'est facile de te perdre toi-même de vue. Plus tu te perds toi-même de vue, moins tu souffres. Et plus il te sera facile de faire souffrir autrui. Tu comprends mieux à présent. Il est temps pour toi d'être jugé. Maintenant, interroge-toi. Penses-tu avoir pris les bonnes décisions? Et sachant ce que tu as fait, que vas-tu faire à présent? Prends le temps d'y réfléchir. C'est très intéressant. Alors, étant donné que je connaissais déjà le jeu, oui, maintenant je vais reset, je vais refaire une fin pacifiste. Et après on va reset et faire une fin génocide. À dire vrai, peu importe ta réponse. Tout ce qui compte, c'est que tu aies été honnête envers toi-même. Quant à ce qui va se passer, tout dépend de toi à présent. Voilà. Très bien. Je comprends. Nous allons sauvegarder ici. Salle du trône. Je crois. Non. Entrée de la salle du trône. Je sais pas. Un truc majeur. Nous descendons. Y'a pas de bruit. Y'a pas de bruit, les amis. C'est un cercueil. Un nom est gravé dessus. Clovis. C'est vide. C'est mon cercueil. Cercueil de luxe en plus. Et ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Quand je vais mourir, je vais être dans un cercueil de luxe. Et ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y, hein. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y. Et là-bas, ce sont les cercueils des autres. Voilà, bref. Avance, petit humain. Ouais, c'est vrai, j'ai pas marqué de traduction là. Pom pom pom. Oh, une minute. Juste un petit moment. Je finis d'arroser les fleurs. Arrête de pisser dans ta salle du trône, Asgore, c'est pas bien. Et voilà. Salut. Que puis-je pour... Arrête de marcher dans ta propre piste, Asgore. C'est pas bien. Oh. J'aimerais tant pouvoir te dire. Voudrais-tu une tasse de thé? Mais... Tu sais ce qui nous attend. C'est une belle journée aujourd'hui. Les oiseaux chantent, les fleurs s'épanouissent,
Un joueur parfait pour jouer à la balle. Quand tu es prêt, rejoins-moi dans la salle suivante. D'ailleurs, j'ai quoi au niveau des items en fait? Donc j'ai... Merde, j'ai pas pris les autres items, je suis con. J'ai pas pris le dernier item. Je suis con. Je suis con. En plus, j'ai pas beaucoup de trucs. Bah, je vais aller chercher les autres items. Voilà, c'est là. Bref. Il y a un médaillon en forme de cœur. Voulez-vous le prendre? Ouais. Vous prenez les médaillons en forme de cœur. C'était un objet de défense. Il y a une dague émoussée dans la boîte. Voulez-vous la prendre? Oui. Vous prenez la dague émoussée. Maintenant, on les équipes. Item. Earth Locket. Utilisez. Tu équipes le médaillon en forme de cœur. Non, c'est. Dague émoussée. Utilisez. Tu équipes la dague émoussée. Ouais, vous avez vu, j'avais. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Je m'étais trompé, j'avais pas pris le tablier, j'avais jeté le tablier sans faire exprès. Voilà. J'ai tutu depuis tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. Depuis la dernière fois, mais bon, bref, maintenant on a plus le tutu. Bon, j'ai pas envie de descendre, c'est trop long. J'ai pas envie de descendre pour aller chercher à manger, donc voilà. Bref. Voilà. Nous sommes revenus ici. Et pourquoi ça bug carrément d'un coup? Même quand j'ai pris les items, ça buguait pas. Voilà. Là, la sauvegarde s'appelle salle du trône, mais bon, on s'en bat les couilles. Oh, je vois. C'est juste un mauvais moment à passer. Dis-toi juste que c'est comme chez une visite chez le dentiste. Mais moi, j'aime bien le dentiste. Oui, je suis différent. Est-ce que tu es prêt? Rejoins-moi. Si tu n'as pas fini, je te comprendrai. Rejoins-moi après, quand tu auras terminé. Nous allons sauvegarder ici. Save. La fin. Oui, la sauvegarde s'appelle la fin. Bref, moi je vous dis à plus. On se quitte ici. Voilà, première vous foutre la mort. Les seules personnes à qui ça ne fout pas la mort, c'est ceux qui connaissent déjà le jeu, mais c'est pas grave. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, hein? Allez, ciao, bye!